Mais aujourd'hui, où ira ton âme? Tu pensais être invincible. Tu pensais que la mort n'allait pas te frapper. Mais aujourd'hui, c'est ton tour. Où ira ton âme? Les pleurs et les cris de tes proches ne pourront te rendre la vie. Où ira ton âme? Les prières de tes proches ne pourront pas te sauver de l'enfer éternel. Tes proches diront: repose en paix. Mais qu'en est-il de la réalité? Quel gâchis, quel gâchis. Mon ami Jésus-Christ tendait les bras. Si seulement tu l'aurais accepté, ta vie aurait été transformée et ton éternité assurée auprès du Père céleste dans son royaume de gloire. Ta vie sur terre était que pur plaisir éphémère, sexe, drogue, alcool. Tu pensais qu'à t'amuser et faire plaisir à ta chair, et ne croyais pas aux disciples qui t'étaient envoyés pour te parler de ton éternité. En effet, seul Jésus-Christ pouvait te sauver. Si tu aurais réfléchi et demandé à Dieu de te diriger, il l'aurait fait par amour pour toi, parce que tu es sa créature. Mais tu t'es laissé égarer par les ouvriers de l'iniquité. Malgré des années dans le péché, dans le déni, une simple prière de quelques secondes t'aurait révélé cet amour et libéré du salaire de tes péchés. Quel gâchis, mon ami, Jésus-Christ tendait les bras. Si seulement tu l'aurais accepté, ta vie aurait été transformée et ton éternité aurait été auprès du Père céleste dans son royaume de gloire, de gloire, de gloire. Tu te disais que si Dieu était mort sur la croix, alors tu ne pouvais pas croire à un Dieu aussi faible que cela. Mais en vérité, tu n'as pas cherché à développer afin de découvrir l'amour du Père Créateur pour toi. Car l'Éternel a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il parvienne à la vie éternelle. La condamnation que portent ceux qui acceptent Jésus-Christ a été clouée à la croix. Elle est morte. Quel gâchis, mon ami, Jésus-Christ tendait les bras. Si seulement tu l'aurais accepté, ta vie aurait été transformée, ton éternité aurait été assurée auprès du Père céleste de son royaume de gloire, de gloire. Hier, tu avais choisi ton camp sans te rendre compte. Tu avais choisi le camp de Satan. Tu es mort aujourd'hui, ainsi ton éternité sera justifiée par ton choix de négliger la vie éternelle et l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Le lieu de tourment sera ta demeure éternellement, malheureusement. Si seulement tu aurais ouvert ton cœur à Dieu. Brother and sister, the time is now. You need to repent from your sin today, because tomorrow will be too late. Jesus Christ loves you so much and he won't save you today. Open your heart for Jesus Christ. Hermano y hermana, he llegado el momento de arrepentirse de sus pecados, porque mañana será demasiado tarde. Jesucristo los ama y quiere salvarse. Aujourd'hui, il est encore temps pour toi qui écoutes cette musique d'accepter Jésus-Christ et de te repentir de tes péchés. Aujourd'hui, il n'est pas trop tard, mais demain, il va être trop tard. Alors, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, tends tes bras à Jésus, donne ton cœur à Jésus, et tu verras que ta vie sera transformée, parce que Jésus-Christ ne t'a pas laissé. Aujourd'hui, il ne t'a pas laissé, mais il te dit: viens à moi. Il te dit: aujourd'hui, je veux changer ta vie. Aujourd'hui, je veux te pardonner tes péchés. Aujourd'hui, je veux te soulager. Aujourd'hui, je veux enlever tes douleurs. Alors, du moment que tu vas poser tes genoux à terre et te laisser faire par Dieu, par Jésus-Christ, à ce moment-là, mon frère, ma soeur, tu vas regretter ta vie passée. Non pas parce que tu as péché,
mais parce que tu as loupé durant tant d'années l'amour de Dieu, le pardon de Dieu, l'aide de Dieu. Mon ami, mon frère, ma sœur, j'aimerais te proposer de partager cette vidéo, de t'abonner et de liker et d'activer la cloche de notification afin d'avoir les prochaines vidéos et d'être édifié. Soyez bénis et à bientôt.